les joueurs d'Hervé de la Maggior. Et bon ballon là Damir Nouri pour aller chercher James Marère, le centre est bon vers Emeric Gomis. Bah écoute, essaye. Devant le capitaine des Griffons, Bourouisbel toujours dans cette surface de réparation, le centre et à la Béla Rouge finalement, alors qu'il y avait Timothée Teuflip juste derrière qui était là pour le portier Caladou. Attention sur le long ballon, Verba dans la surface et Béla Rouge finalement. Mais le danger qui commence à se rapprocher de la cage de Bouet, encore avec ce ballon, retrait et le dégagement contré finalement. Tout à l'heure, on n'avait eu aucun mal à se saisir du ballon. C'est parti cette fois, la déviation, elle était bonne, elle était signée Emeric Gomis par-dessus pour aller chercher Guirassy de la poitrine, Guirassy dans la surface de réparation, le festival Guirassy, le ballon est contré, pas de main dans la surface même si elle était réclamée. Benaïm dans la course, le centre, deuxième poteau, il y a Guirassy, la remise de la tête juste au-dessus. Benaïm pied gauche pour centrer vers Benkaïd de la tête et l'ouverture du score. L'ouverture du score du Stade Briochin, les efforts auront donc fini par payer. Et deuxième but en deux matchs sous le maillot des Griffons pour Hicham Benkaïd. Bas sur le côté, sur le côté gauche et qui va déborder Carbrat. Le centre est bon, deuxième chance peut-être avec ce ballon remis dans la boîte et sauvé sur la ligne par Morgan Jean-Pierre. Peut-être la balle de break, Guirassy dans la surface, elle est repoussée, cette frappe captée en deux temps finalement. Et les Griffons qui défendent corps et âme pendant que les Caladois y croient encore dans cette fin de match. Long ballon de Jean-Christophe Bouet vers la surface. La déviation de la tête, c'est dégagé par Nouri, c'est terminé. 205 jours plus tard, le Stade Briochin retrouve la victoire à domicile. Il aura fallu attendre le dernier match à la maison de la phase allée